Donc on se retrouve aujourd'hui. On est le 15, il me semble. Non, on est le 14. On est le 14 et je viens justement de mettre en ligne le vlog numéro 13. J'ai mon chien qui arrête pas de m'attaquer. J'en ai marre de lui. Je suis toujours autant malade. C'est juste horrible. J'ai passé, enfin la nuit d'avant, j'ai presque pas dormi. Aujourd'hui, je suis allée travailler. Aïe, arrête! Et aujourd'hui, je suis allée travailler, donc je vous dis pas dans l'état dans lequel je suis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, à partir de demain, les images, enfin le rituel photo, recette et film va reprendre. C'est juste que là aujourd'hui je suis vraiment... Enfin je suis désolée, ça va être un vlog court, mais il faut absolument que je me repose, que j'aille dormir parce que demain je travaille malgré mon état. Et si je dors pas un minimum, je crois que je vais vraiment être fatiguée. Voilà. Je vous rappelle que Noël arrive bientôt et que donc mon concours se termine aussi bientôt. Donc n'oubliez pas que vous pouvez participer quand vous le souhaitez avec l'adresse qui est juste dans la barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc demain soir, j'ai la soirée que je vais vous vloguer. Donc j'espère que ça va être cool pour vous. Et je vais essayer de vloguer pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que je vais pas pouvoir vloguer, tout simplement parce que ça va être dans la confidentialité, il va y avoir des trucs inédits qui vont sortir pour vous plus tard, mais que nous, on va nous montrer en avant-première. Donc je vais pas pouvoir vous les filmer, ce qui est logique, mais je vais quand même vous en parler et essayer de vous donner mon avis, enfin si j'ai aimé ou pas aimé, sans vous spoiler ou vous dire vraiment ce que c'est. Donc là on va ouvrir les calendriers d'aujourd'hui. J'ai les cheveux, regardez, ça c'est quand j'ai pas le temps de les sécher et que je sors de la douche, ben, j'ai les cheveux comme ça, ils sont pas lisses du tout et ils ressemblent à rien. C'est cool hein. Donc voilà. Donc je vais ouvrir mes calendriers avec vous. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti, le 14 qui est juste là. Donc c'est un savon nettoyant et exfoliant. Donc ça c'est cool, à l'amande. Donc voilà, c'est bien. Ensuite on va ouvrir celui de Disney. Le 14 est là. Hop, et le 14, il est là. Donc ça c'est bien, c'est des chocobons. Je n'ai pas encore mangé les autres chocolats parce que ça faisait trop à manger en une journée. Mais quand j'ai un petit creux, que j'ai envie de chocolat le soir ou quoi, c'est sympa. Hop, et ça du coup c'est la petite cocktail que l'odeur, c'est pas ma préférée, mais elles sont pas non plus mauvais quoi. Donc voilà. Pour l'instant, par rapport au calendrier, je suis assez contente. C'est vrai que j'avais vraiment envie d'essayer le calendrier de ce Body Shop, mais par rapport au prix, c'était juste pas possible. Enfin, surtout que j'avais déjà trop de calendriers. Mais je pense que l'année prochaine, je le testerai. Voilà. Sinon, j'en suis assez satisfaite dans l'ensemble. N'hésitez pas, donc comme d'habitude je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je voulais vous dire aussi, j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube qu'il y avait un problème avec les notifications de nos vidéos, donc vous devez sûrement être au courant. Donc pour voir mes vidéos dans votre fil d'actualité et dans votre fil d'abonnement, il faut cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous du titre pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo, sinon elles n'apparaîtront pas dans votre fil d'actualité. Voilà. Puis je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Je sais que ça a été un vlog vraiment hyper court, mais je suis juste hyper fatiguée. Donc là je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, enfin bref, on peut faire un peu tout. Ah oui, j'ai aussi vu Suicide Squad parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai bien aimé dans l'ensemble, mais enfin si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Et je voulais aussi savoir ceux d'entre vous qui ont déjà fait Big Thunder, parce que quand il y avait les soft openings, à chaque fois je n'étais pas là. Et pour les ouvertures cast member, j'étais dans le sud. Voilà, donc j'ai raté et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, mais j'espère bientôt parce que je suis juste trop impatiente, c'est vraiment une de mes attractions préférées. Donc voilà, si il y en a d'entre vous, il y en a certains d'entre vous qui l'ont faite,
dites-le moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous.